Pas des trucs à voler là? Ça se vole ça? J'ouvre tout, je m'en fous. Un maximum de bruit. On fout, je suis pas assez prêt de faire de la. Oh putain, une taillette. Ils auraient pas jeté de l'argent. Je suis même pas fâché. Hop, la petite poêle est à moi. Ils auraient pas un petit grille-pain par hasard. Alors, dossier FBI, non, ça m'intéresse pas. Zone 42. 52 plutôt, 51, je me rappelle plus. Ah, mais c'est ça les Dishi. Bon, oh, il y a de la thune là. Mon détecteur à thune a flashé. Alors attends, parce que ce qu'il faut faire c'est. Hop. Ya! Great! Oui. Now, go buy yourself a DIY simple lockpick on tools for thieves. Si, mec. Donc là tout va bien hein, parce que je suis pas dans la lumière, j'ai pas d'arme à la main donc. Défais leur lit. Laisse le frigo ouvert. Ah, ça c'est du grain larcin. Bon, j'ai pu voler une poêle, une théière et un petit peu de thune. T'as pas fermé le portillon, mais c'est pas grave. Regarde. Hop, bon, c'est merde. T'as raison, il aurait peut-être fallu que je ferme le portillon. Alors, on va acheter de quoi crocheter maintenant. On fait caca sur l'oreiller de suite. Alors, Tool for Sieve, DIY, Simple Lockpick, on va acheter ça. Vous voyez? Oui, allô, Vinny. Before you get yourself into trouble, try it on a training lock. I left one in the garage. Ah. Percer leur poubelle. Va percer leur capote. Ils auront des problèmes. Oula. Quoi? J'ai pas compris. You need to find the right angle. Alors faut trouver le bon angle. Oh putain, mais c'est Oblivion quoi. Oblivion. Et va aux toilettes et tu changes le PQ de position, tu le mets dans le mauvais. You did a good job on merci beaucoup pour le follow. TV in the empty house. For a real job, you gotta scope the joint. Go to 111 by 7 a.m. and watch. À 7h du matin. Alors tenant routines when closing. Donc là, on va aller étudier les patterns des gens. Et voilà. C'est le middle mouse button, ça j'aime pas par contre, ça me fait chier. Il écoute Radio Rock, qui va me démonétiser la vidéo sur YouTube. Donc là, il m'a dit 7h du matin, faut que j'aille à 7-Eleven. C'est ça? Donc tous les jours tu reviens dans la maison et tu déplaces tous les meubles de 1 cm tous les jours. Et tu regardes la folie des attentes. Attends, il faut aller à 7-Eleven? C'est ça? Je fais le con avec vous et du coup je suis pas ce que je me dis. Attends. Alors, go to Green 111. Alors 111, ok. Putain mais depuis... Là ça fait deux jours qu'on vandalise ce quartier là, enfin ces trois maisons là, les mecs ils sont en mode là là là. Quoi bien. Ah putain ça m'a coûté un dollar. Merde, pardon excusez-moi. Désolé. Pardon excusez-moi. Là, je suis discret là.
Quoi? Sleep in the car at the parking lot to pass time. Ok. Oui, Vinny? There's a box in there. Wait for them to leave and get me that box. Mais attends, il y en a pas un autre? Alors, j'ai découvert une, un indice. Il y a une boîte qui coûte cher. Qu'est-ce que je dois faire? Ok. Et là, je peux faire... Comment je dors dans la voiture, en fait? Non, arrête. Voilà, je vais ouvrir le coffre. La boîte coûte au moins 5$. Comment je dors? Je voudrais dormir juste, s'il vous plaît. Alors... De 9h à 11h, il est dehors. Et l'autre aussi, donc ça c'est bien. Maintenant, comment je fais pour dormir Me mettre à l'écart? Attends, est-ce que j'ai vu un truc, non? J'ai vu un truc apparaître quand je me suis mis le point de vitesse dans le cul. Non, attends. Bon, ça c'est pour sortir. Open slowly. Dans un parking peut-être, ça c'est pas con ça. On va aller voir. Est-ce qu'il y a un parking? Oui, là c'est marqué sur la map, il y a forcément une raison. Excusez-moi. Ah voilà. On a dit c'est jusqu'à quelle heure qu'il fait chier lui? C'est à partir de 9h du matin où il ferme sa bouche. Allez, on dort. Ah donc normalement il est plus là. Hein. Ouais, je me suis garé comme connard. Mais je suis un criminel, hein, on peut pas. J'ai l'impression qu'il est plus là. Parce que là, je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive. Oh, le truc, c'est que j'ai pas très longtemps là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la voiture. On va se garer à côté. Ah, parce que si je peux remporter la voiture. La télé, pardon. Ah, ouais, c'est carrément Oblivion. Ah, mais là, je suis le grand maître des doigts dans la purée. Y'a pas de problème. Voilà, bon. Rien de suspect. Voilà, j'ai caché la télé dans les fourrés, comme ça on est bien. Hop. Voilà, ça déjà c'est bien. C'est fait. Oh. Hey hey. Je peux lui voler de la bière. C'est... Ça vous arrive aussi de ranger votre bière avec vos chaussures ou pas? Ça, c'est la casquette de Clémentine. Ok, le mec est un porc. Hein. On fait regarde, parce qu'on a beau être en voleur, on a une conscience professionnelle. Ouh, ça, c'est à moi. Ah non, ketchup, j'en aurais bien besoin à la maison, mais sinon, ça va. Voilà. Ok, tu peux faire caca en te lavant les pieds. Ah merde, il y a quelqu'un qui arrive. On va refermer la porte. Ah, j'ai d'énormes poches, hein, y a pas de problème. Je pourrais faire un insta-kill, quoi. Et il est en train de voir un truc. Ouais, mais il se doute de rien. Bonjour! Je suis déménageur de télévision. Salut!
Mais c'est bon, j'ai réussi. Excusez-moi. Oh. Je suis vraiment passé comme un blocking traffic. Mais non, tout va bien. Ah. Attends pour moi. Normalement c'est bon, hein. Normalement j'ai rapporté la boîte. B. Ah j'ai des points de vol. New wins available. Oh. Il faut que j'envoie la boîte par Black Bay. Alors comment je fais Ah je peux vendre la radio. Ça se voit vachement mieux par le... par Black Bay en fait. Là je suis riche quoi, $418. Les Lombardis pensent que leur ami sur Greenview a besoin d'une nouvelle fenêtre. Mais ils pensent que celle qu'ils ont est bonne. Go prove them wrong. Ok, est-ce que j'ai besoin de me racheter un lockpick à chaque fois ou... Attends, comment ça se passe? Alors déjà, les skills. Comment je... Alors qu'est-ce qu'il me raconte? Les Watson, là c'est quoi? The Bakers, Tenant, Int, ok. Donc il faut qu'on aille étudier leur pattern avant. On les connaît pas. Et les items, est-ce que j'ai mon lockpick ou pas? Oui. Ah apparemment on peut l'utiliser plusieurs fois, c'est ça? Bon bah on va aller au 112 alors. On va juste aller voir en attendant. Bougez pas. Allez, il reste 6 minutes pour le premier giveaway pour avoir une clé pour ce magnifique jeu. Ah, parce que là, du coup, moi, je vois plus le chat. Voilà. Allez, on va à Green Street View. Je crois que j'ai tout vendu, hein. J'ai vendu la télé, tout ça. Mais j'ai l'impression que c'est plus rentable de vendre sur Internet que d'aller au pawn shop, quoi. Bizarre. Attends, je vais enlever ça parce que je commence à avoir vraiment chaud, quoi. Ah. Voilà, puis je voulais vous montrer ma coupe de cheveux du matin. Alors, on a dit le 112, hein. Ah, la musique. Alors n'oubliez pas qu'il faut être follow à la chaîne pour pouvoir gagner, et si vous êtes sub, ça vous donne 3 chances supplémentaires de gagner. 112. Il est où le 112? Vous le voyez où sur la map là? Attends, ça doit être près du 110, 111 et tout le bazar. Je me... Ah, je le vois le 112, ça y est. Hey, il est trop bien ce jeu en fait. Encore une fois, pas déçu par Playway. Et merci à eux d'avoir fourni 2 clés pour vous faire gagner, quoi. Ils comprendront pas ce que je dis parce que je crois qu'ils sont polonais. Mais l'essentiel, c'est... voilà. Je sens libre de droit. Coucou. Caméra. De placer des caméras dans les boîtes aux lettres. Oh là. Y'a personne dans la zone. Ah, il faut être niveau 2 en agilité pour passer par-dessus les barrières. Oh merde, on peut pas voir là. Alors le truc c'est qu'il va sûrement falloir que je fasse des rondes de la maison plusieurs fois. Ils ont un panier de basket. Ok. Vous avez de ces idées, des caméras dans les toilettes. Ah, il faudrait que je trouve un parking dans le coin. Il n'y a pas moyen d'afficher la map en un peu plus grand. Ah, calme-toi. Non, parce que là, ça serait bien que je puisse dormir dans la voiture plusieurs fois dans la journée pour faire des alertes. Là, clairement, il n'y a personne. Faut que je pourrais y aller. J'ai l'impression qu'il n'y a personne là, non? Mais merde, il y a quelqu'un qui me voit là.
Non, non, je trespasse pas du tout. Tout va bien, tout va bien. Attendez, je prends ma voiture. Vous voyez, je suis plus là. Hop, c'est bon, elle a rien vu. Va bien. Démarre, saloperie. Putain, j'aurais pu faire demi-tour. Eh, le job c'était... Oh putain. Le job c'était juste de montrer que les fenêtres pouvaient casser. Donc ça va, je suis dans les clous. Pardon. Aha. J'ai été fufu. Alors, leveling up. Alors, voler des trucs et retourner à la maison avec le loot vous donne des points d'expérience. Et la première fois, ça vous donnera 10 fois plus d'expérience. Vous n'êtes pas sûr, allez voir les tips et tout ça. Ok. Ouais. Les poursuites de police. Alors, vous pouvez fuir la police en quittant le quartier. Vous pouvez vous cacher dans les poubelles, sous les lits ou dans les armoires et attendre que la police s'en aille. Si la visibilité est rouge, quelqu'un vous a vu, et la police vous trouvera. D'accord. Bon, c'est... Open standard training lock. Ben, au moins j'ai réussi. Ah merde, il faut que j'achète un lockpick. Écoutez, la mission est un succès. Moi j'ai gagné 100$, je m'en fous, c'est ce qu'il fallait faire. Alors. Voilà, je vais acheter un lockpick normal. Ça va bien se passer. On va essayer le... Hop. Oh non. You need to lock the pin. Ok. C'est moins pénible que sur Oblivion, mais bon. Facile. Word on the street is the toilet in Greenview 113 is not broke. Là, il me dit apparemment il y a un appartement. La rumeur c'est que les toilettes sont pas cassées quoi. Je vais aller arranger ça. Alors les lockpicks sont plutôt cool. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va repasser en mode blablabla parce que le premier giveaway est fini les amis. Donc je vais cliquer sur Pick a Winner, il y a en tout 24 entrées, 42 tickets ont été pris. En sachant que voilà, les gens qui sont abonnés ont 3 tickets de plus. Je vais appuyer sur Pick Winner. Et le gagnant c'est Argos Seb. Je sais pas s'il va le dire, ah bah si il le dit stream là. Argos Seb, tu as gagné une clé. Et je t'envoie ça juste après. Alors, comment on peut faire Est-ce qu'on peut recommencer le truc ou pas? Donc je t'envoie ta clé tout de suite, tiens, je te l'envoie sur Discord. On va t'envoyer la première clé. Donc bravo à toi, bravo à Seb, vous pouvez lui balancer du GG effectivement. Où est-ce que tu es mon petit Seb? Faut que je te retrouve. Je t'envoie ça sur Discord parce que là j'imagine que t'es au boulot. Et tu vas bosser mon salaud. Voilà. Donc. Comment est-ce que je peux... View active giveaway... Est-ce que je peux restarter un giveaway ou pas? Vite. Ah, je peux le relancer. Ça, c'est cool. Donc, le deuxième giveaway est ouvert pour la deuxième clé. Voilà.
comme vous dit Streamlabs, a gagné une clé pour Civ Simulator sur PC. La rafle a été réouverte, vous avez juste à faire point d'exclamation KDO pour participer. Dans 45 minutes, je désignerai le deuxième gagnant, enfin, Streamlabs va désigner le deuxième gagnant, là je vous vois rentrer, voilà. Et bien sûr, il suffit de follow la chaîne pour que vous ayez un ticket, et si vous êtes sub à la chaîne, vous aurez un ticket parce que vous avez follow, et 3 tickets de plus. 3 tickets de plus parce que vous êtes sub. Voilà. Et ça sera pour gagner la clé de Civ Simulator, le jeu qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ce soir, de 18h à 20h, on fera un jeu français qui s'appelle Citrouille, qui est un jeu coop et versus, mais aussi solo, qui est bien ouvert pour le tryhard et le speedrun surtout. Et ce soir, je vous ferai gagner 5 clés. Donc n'hésitez pas à venir, 18h à 20h, ce sera le même principe. Du coup, là, on va être bon pour repartir sur le jeu. Et bravo encore à Seb. Allez, on est reparti. Ne t'agenouille pas, qu'est-ce qui t'arrive? Alors. Ah, je peux aller acheter des indices pour le... Là, donc là, la nouvelle mission est d'aller casser des toilettes. Alors, c'est où déjà? C'est Steal Your Forums. Et là, il faut aller au 112, c'est ça? Alors, la sécurité de la maison. Putain, il coûte cher, les types. Alors, la porte arrière a une ouverture facile. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme loot? Il y a une machine à café qui coûte cher. Je suis le voleur des cuisines. Après les grippes, hein, après les poils. Ce sera la machine à café. Et les tenants. Alors, il n'y a personne de 1h à 4h du matin. Bon, on va y aller pour 1h alors. On va faire dodo. On dort. Et on y va. Alors, le but, c'est d'aller casser les toilettes, mais si je... Mais de toute façon, c'est pas grave, le tirage au sort, t'inquiète pas, c'est dans 45 minutes. Mais ça serait bien d'être là, quand même. Bon, c'est... Citrouille, fallait y jouer durant Halloween, pas après. Oui, mais ils me l'ont envoyé après Halloween. Donc tu veux qu'on se batte? Réfléchissez avant de parler, c'est très important. Donc on a dit quoi? Le 112, hein. Tu seras revenu, ok. De toute façon, je peux attendre. C'est moi qui appuie sur. Il y a un temps minimum, on va dire. Il y a un temps minimum pour le giveaway, mais c'est moi qui décide quand je fais le tirage au sort ou pas. Mais là, en gros, vous avez 45 minutes pour rentrer vos noms dans le giveaway. Oui, c'est très bizarre d'être absent de son domicile de 1h à 4h du matin. C'est-à-dire qu'ils sont là toute la journée, mais à 1h, le mec part en mode. Ah non, c'est au 113 que je dois aller. Elle est là. Ah, mais c'est à côté. À 1h du matin, le mec part en vadrouille, puis il revient à 14h du mat, et après il reste là toute la journée. Bon, on va essayer de se garer pas trop loin, mais pas dans la lumière. Éteins la lumière, montre-moi ton côté sombre. On va passer par derrière, du coup. Ah, merde, je peux pas passer par derrière. C'est un dealer. C'est ça. De toute façon, là, y a personne, j'ai pas à me cacher... Oh putain! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, en fait, ils dorment de 1h à 4h du matin, d'accord. Attends, mais comment je fais pour rentrer s'ils sont là? Fine. Mais attends, mais je peux pas là. Allez, il me suffit d'attendre. Bah, les infos sur la 112. Ah, mais je suis au 113, bordel! Mais non, si, c'est le 113. Ah non, il n'y a pas de gamin, il est pas là, il est pas là. On va attendre, hein, on va attendre. Ah oui, putain, j'avais pris les infos sur la 112, quel con. Ah, je me suis fait piquer là, non? Ouais. Allez, on va loader le checkpoint.
En fait, j'ai acheté des infos sur la 112, pas du tout sur la 113. J'étais guère concentré. Parce qu'on est d'accord que... Voilà, il me dit un no, un no. Don't you know? Ce qu'on va faire d'abord, c'est étudier... Mais attends, mais comment tu fais du coup? Rentrer chez eux. C'est bon, j'ai la routine d'un des tenants. Et il laisse la fenêtre ouverte, c'est con. Ah! Monsieur a le sommeil léger! Oui, bonjour. Je ne suis pas un voleur, hein. Je suis là que pour casser des toilettes, ne me jugez pas. Il est tombé du lit. Eh ouais, mais comme un con, moi j'ai préparé la mission en me disant « Ah lol, il dorme !» Puis en fait, non. Il est tombé du lit, il m'a vu. Alors attends, Nia. Notes. Donc on a dit le 113, l'aile est là. À 5h du matin, il est dehors, mais l'autre, non. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va y retourner à 2h du matin. En fait, il faut que j'arrive à choper la routine d'un des deux connards, là. Mais ça serait bien qu'ils dorment aussi, putain. Comment tu veux que je vole les gens, concrètement, si eux, ils dorment pas comme il faut, quoi. Voilà, faites des efforts, merde. Ah, mais bravo, Baron Lou, c'est cool. Bonne chance. Bonne chance pour ton entretien d'embauche, ma couille. Et maintenant, double ta chance. Fais point d'exclamation KDO dans le chat, et peut-être que tu vas gagner une clé de ce jeu. Et là, ça t'aura fait ta journée, ma couille. Alors, Ah! Ok, très bien. Alors, attendez, le 113, on m'a dit qu'il faut partir par la gauche! Merde. C'est quand qu'on gagne? Le prochain tirage au sort est dans un peu plus de 40 minutes, je pense. À peu près. Seb, j'espère que t'as pas rejoué, hein, parce que sinon, je t'annule. Je te cancel! Je peux pas dormir, connasse. Comment je fais pour l'étudier, cette connasse? Blocking trafic? Pas du tout. Vous voyez, ça va, excusez-moi, je bouge ma voiture, là, excusez-moi. Parti. Ouais, ouais, non, mais c'est bon, je bouge la voiture. Allez! Je suis le pire cambrioleur de l'histoire. Voilà! Oh. Bon, lui il dort jusqu'à quelle heure cette patte? Il avait pas fait attention! Ah! Tu as maigri. J'avais pas fait gaffe qu'il y avait encore l'étoile rouge de Belgrade sur mon truc. Alors attends, par contre. On va faire cette fois-ci, c'est qu'on va retirer la voiture de là.